Eh bien, c'est tout le monde, c'est Raiden, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 2 pour un petit tuto les amis. Et il faut savoir que moi, Raiden, je fais très rarement des tutos. Et c'est pour ça que lorsque j'en fais, eh bien, il y a vraiment de la qualité. De toute façon sur ma chaîne, il n'y a que ça. Bref, c'est un tuto rush de départ que je vais tenter d'envoyer à la Playgeek TV, à la The Community Code et à la The Community Code. Donc j'espère que ces trois chaînes vont m'uploader. Et s'ils le font, ben, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour l'explication du rush en détail. Pour le premier épisode de cette série tuto les amis, on se trouve sur la map Hijacked qui selon moi est la plus petite map du jeu sans compter Nocturne. Il faut savoir aussi que cette map est on va dire symétrique et c'est pour ça que là je fais le tuto sur le spawn de C en domination mais c'est la même chose du côté de A en domination. Et donc on est parti pour le tuto. Donc voilà, regardez, une fois que j'apparais, je fonce en direction de la gauche du bateau, en tout cas de la gauche de la map, et à partir de là, en bas des escaliers ici, je lance mes grenades en direction du middle vers le spawn en face du jacuzzi, en espérant faire quelques kills grâce à ces grenades perdues. Ensuite, je me dirige au middle, à partir de là, j'ai 10 secondes pour faire le taf. Ensuite, je me dirige vers le spawn dans lequel j'ai apparu au début de la partie. Et à partir de là, normalement, je dis bien normalement, j'ai accès à un spawn kill, les amis. Et étant slayer, pardon, j'arrive à gérer ce fameux spawn kill, donc. Et bah voilà, c'est assez simple, mais voilà, faut savoir le gérer, tout simplement. Il faut savoir aussi que ces rushs là que je vous montre dans ces petits tutos sont mes propres rushs personnels que je vous conseille d'aborder, d'étudier, même de pratiquer si vous voulez. Et donc voilà. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ce petit rush en démonstration, c'est-à-dire en vidéo, en image. A tout de suite. On se retrouve maintenant pour la démonstration en image, c'est parti. Donc là regardez, en bas des escaliers j'envoie la grenade, malheureusement ici c'était un C4, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être une partie dans laquelle je voulais essayer ce jeu C4. Bref, donc regardez, je passe toujours par la gauche du bateau et là je vais vers le middle et à partir de là j'essaie de faire le taf hein, et là regardez, mes 10 secondes sont passées et donc je dois me diriger en direction de mon ancien spawn, pardon. Et à partir de là, le spawn kill est normalement assuré si mes coéquipiers font leur taf aussi, c'est-à-dire s'ils killent un petit peu. Et là, regardez, spawn kill, spawn kill, spawn kill. Et ça me permet d'obtenir mes drones, etc., etc. En tout cas, mes keystrikes qui pourront aider mes coéquipiers. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires si ce tuto vous aura aidé. Si aussi, si ça ne vous a pas aidé, bah, dites-le moi quand même, de façon à ce que je puisse essayer d'améliorer ces tutos-là. En tout cas, si vous voulez suivre les autres épisodes, je vous invite à aller sur ma chaîne, vous abonner. Et puis voilà, hein, tout simplement, soyez actifs surtout.
Je remercie encore une fois la Playgeek TV, la The Community Code et la The Community Code s'ils me uploadent la vidéo. C'était Raiden, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.